tout le monde, c'est Rayton pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se fait très bien aujourd'hui sur Ark Survivor Evolve pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Et aujourd'hui on est parti pour chasser le Giganotosaure. Et vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il est géant et qu'il est giga fort. Et du coup on va essayer de chasser aujourd'hui le Giganotosaure. C'est un dinosaure qui est un des plus gros de Ark, il est vraiment immense. C'est pas le plus gros parce que je crois que le plus gros c'est le Titanosaure si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui on va quand même essayer de le chasser. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu, mais j'y ai joué énormément en fait pendant mon temps libre. J'ai fait des parties de survival de fitness et j'ai vraiment amélioré un peu ma base. Donc là on est sur le bateau sur lequel on s'était quitté la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir, enfin il s'est pas beaucoup amélioré, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Mais la bonne nouvelle c'est que comme vous pouvez le voir là actuellement dans ma barre, j'ai énormément d'armes sur moi. Et vous demandez pourquoi, bah vous le savez maintenant, c'est parce qu'on va chasser aujourd'hui. Alors j'ai du coup ce fusil là qui sera consacré aux flèches tranquillisantes. C'est une... comment dire, c'est mieux que les flèches tranquillisantes parce que ça permet de, comment dire, d'endormir les dinosaures plus vite. Et pour les apprivoiser c'est bien mieux. Après j'ai deux arbalètes. Donc il y a une qui est équipée avec des flèches tranquillisantes et l'autre avec des flèches normales je crois. Et après nous avons ma fabuleuse épée pour devenir Jack Sparrow. Yeah. On est Pirates des Caraïbes, vous allez voir. Et après, nous avons... enfin, Pirates des Caraïbes avec des dinosaures, c'est un peu bizarre. Et nous avons après autre chose. Est-ce que j'ai autre chose dans mon inventaire? Je crois que j'ai rien d'autre à vous présenter. Non, ok, donc là, oh oui, j'ai de la narcotique pour tamer du coup le Giganotosaure. Ça va être un des dinosaures les plus durs à tamer. C'est pour ça que là, je me suis préparé. Et après, nous avons tout au fond dans ce petit coffre une chose énorme. Nous avons la selle du Giganotosaure. Pourquoi je l'ai prise? Parce que après je me suis dit que si je devais le ramener, mieux vaut que je le ramène avec la selle pour éviter qu'il se fasse attaquer ou quoi. Donc là on est vraiment parti, c'est impossible qu'on échoue. Là il y a Django, mon fidèle pterodactyle, qui est là depuis tous les épisodes presque, j'ai l'impression. Et du coup on est parti pour la chasse. Alors je sais où il peut se trouver. Normalement le Giganotosaure se trouve tout droit là-bas. Il va se trouver près de la montagne et du coup on va essayer de le chasser là-bas. Ok c'est bon, on est arrivé à la montagne, on va du coup pouvoir prendre Django. On le prend et on est parti pour tout casser. Giganotosaure, Giganotosaure, t'es à moi. Ouais, on va vraiment essayer de le capturer. Alors normalement c'est un dinosaure qui se trouve généralement près des montagnes. Et vu que la dernière fois qu'on était venu ici on avait croisé un Giganotosaure, on va peut-être essayer d'en retrouver un autre, on verra. Donc là c'est parti, on monte vers la gloire et la destinée. Y'a pas des y a pas des dinosaures là en bas? Non c'est bon, parce que je veux pas qu'il y ait trop de dinosaures violents. Parce que en fait après je vais poser Django pour bah du coup quand je serai en train d'essayer de chasser le Giganotosaure. Et du coup il faudra que Django bah il reste à un endroit là et pas trop de dinosaures, du coup il faudra que je le pose la tête. Re tout le monde, alors il s'est passé un truc de malade pendant que vous étiez pas là en fait, parce que j'ai dû couper pour ne pas perdre trop de batterie dans la caméra et trop de temps au montage. Et là faut que je vous raconte un truc. En gros il s'est passé vraiment le pire de ce qui pouvait se passer. Alors en gros j'ai commencé à monter dans la montagne. Jusque là tout le monde suit. Et en gros quand je commençais à monter, il y a un Argentavis, donc c'est un gros oiseau, qui m'a foncé dessus. Il a tué mon pteranodon, donc il a tué Django. Et il m'a fait tomber d'une hauteur horrible. Et du coup j'ai perdu énormément de points de vie. Et j'ai aussi perdu bah du coup Django. C'est ça le pire en fait. Et j'ai perdu tout mon équipement, regardez. Il est là mon équipement, il a réparé. Et du coup maintenant il va falloir qu'on qu'on arrange tout ça, il va falloir que je regagne un peu de points de vie. Donc là je crains un feu de camp en fait, parce que j'en ai besoin. Parce qu'en fait là je suis en un endroit, apparemment il faisait froid et il fallait que je me réchauffe. Donc voilà, c'est vraiment compliqué là, je suis vraiment pas du tout dans le bien. Par contre je peux me recréer des... bah je vais me créer de l'équipe. Ah bah je peux créer qu'un casque. J'allais dire je vais me recréer tout mon set mais en cuir. Bah c'est pas grave, j'aurai au moins le chapeau pour protéger mon beau crâne. Du coup c'est bien. Ok, donc alors là ça va vraiment être très difficile du coup pour le Giganotosaure, parce que clairement j'ai juste mes armes. Donc il va vraiment falloir que je trouve le meilleur endroit pour pouvoir essayer de l'attaquer. Je sais pas où il est, il y en a deux qui se battent dans la zone. Il y en a un qui est blanc, bleu, un peu bizarre, qui est très très beau. Et on en a un autre, je sais pas du tout où il est, je crois qu'il est parti vers la plage. Je pense que si je veux réussir à capturer le Giganotosaure, il va me falloir une chose. Enfin plutôt deux, il va me falloir Timmy Pastèque, donc une pastèque ça pourrait toujours aider pour attraper un Giganotosaure. Et le chapeau du chasseur qui nous avait aidé la dernière fois pour attraper le Diplodocus. On va le mettre juste comme ça. Voilà. Après une dure journée de camping, c'est bien de se relaxer autour du feu de camp avec une musique bonne et douce pour se relaxer. Let's get around a campfire and sing that campfire song. That's C-A-M-B-F-I-I-E-S-O-N-G song. And if you don't think that we can sing it faster, then you're wrong. But if that's F, babe, you just sing along. Boom, boom, boom.
Merci. Donc là, clairement, j'ai tout le style pour réussir à gagner la partie et pour réussir à voir le gigantosaure. Re tout le monde, alors je suis retourné à la base et en fait je me suis créé un équipement en fourrure parce que j'ai remarqué que dans cette zone là, vraiment, il me fallait un équipement en fourrure. Regardez comment je suis badass. Regardez-moi ça. Alors il m'a demandé énormément de temps parce qu'en fait là je filme. Il est déjà quelques heures plus tard, je crois que ça fait 3 heures que j'ai continué à jouer Ark. En fait, j'ai farmé les mammouths pour avoir de la fourrure. Et du coup, j'ai pu me créer ça. Ça m'a coûté très cher en fourrure. C'était vraiment ultra long à farmer, mais qu'est-ce que c'est rentable. Je ne perds plus aucun point de vie dans les montagnes. Et ça, c'est vraiment la classe. Du coup, à part le fait que j'ai mon sympathique chapeau et ma pastèque et ma guitare, on va enfin pouvoir commencer la guerre contre le giganotosaure. Là, normalement, j'ai un bon point pour pouvoir l'attaquer. Donc, on va essayer. Première fléchette. Boum. Ah, ça l'a pas touché. Ça l'a pas touché. Là, c'est bon. Là, ça le touche, obligatoirement. Yes, on l'a. Ok, j'espère qu'il va pas gros le T-Rex qui est à côté de lui. Faudrait pas, ça serait vraiment con. Deuxième fléchette. Ouais, ça le touche. Eh, ça met du temps, hein. Non, c'est juste que ça l'a pas touché. Je suis très mauvais, hein. Allez, toi, tu vas aller en enfer. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a même pas la musique du combat tellement on est loin, enfin... Allez, s'il te plaît, viens là. Alors, j'ai que 53 fléchettes encore. Ça va devenir très tendu. J'espère qu'il va prendre cher. Ah, reviens là, reviens là, reviens. Non, 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 tu pars pas, voilà, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Non, 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 non. Non. Tu reviens. Pourquoi il s'en va? Ah non, c'est bon, il revient. Regardez, là, là, oh, parfait. Là, il me donne sa tête. Ok, là, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Faut juste bien tirer. Regardez, il est juste là. Viens, 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 les titis, allez, viens. Un chasseur. Et discret. Allez, viens là. Viens, oui, oui, voilà, comme ça. Oui, oui, oui. Vas-y, viens, approche, approche. Approche. Tu peux venir. Je te ferai aucun mal. Enfin, peut-être un peu. Je sais pas. Cette vidéo est en train de partir en ASMR. Allez, viens là. Viens là, s'il te plaît. Allez, pépite. Je vais t'appeler pépite. Parce que j'aime les cookies. J'adore les pépites. Les pépites au chocolat. Putain, pourquoi tu te dépêches pas? Sérieusement, il lui faut combien de flèches à ce con? Oh non! Pars pas, ça c'est bien, ça veut dire peut-être qu'il en... Ah, même pas. Non, non, il veut juste faire son tour. Viens là! Tu vas mourir! Il est ultra proche de nous! Alors là, je peux vous le dire, j'ai peur. Là, je prends aucune confiance avec ce que je suis en train de faire. Il est où? Il est où? Non! Non! Oh mon dieu, attends, est-ce qu'il... C'est où? Wouah! On a un mâle giganotosaure niveau 2! Ouais! Ça fait... Alors, attendez, parce que là, j'ai dû faire, je pense, une énorme coupure, parce que là, clairement, je crois que c'était le timing le plus long que j'ai jamais fait. J'ai mis... Alors, je suis comment était avec vous, hein. J'ai dû mettre, je sais pas, 30 minutes à lui balancer toutes mes flèches et de narcotiques, puis après mes flèches. Et là, il est là, quoi. Je te fais des sushis, sinon, tu vas donner de la... Quoi? Ah! Quoi? Motherfucker! Je t'aimais, moi. Giganotosaure, pourquoi? Sérieusement? Attendez, je vais me le tamer. Comment c'est possible? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cher que toi. Dégage. Je vais te tuer. Yeah. T'es le pire dinosaure qu'on ait jamais vu. Tout le monde te déteste. Oh. J'ai perdu 2 heures de ma vie à chasser ce dinosaure. Et j'ai pas réussi. Oh putain. Fuck, j'arrête YouTube. Mettez des explosions Michael Bay. Oh fuck. Je rigole, hein. J'arrête pas YouTube. Donc ça veut dire tout le monde que malgré mon chapeau, malgré ma pastèque, malgré mes lunettes de soleil, eh bien il ne s'est rien passé et on a perdu.
C'est juste super décevant, mais c'est pas grave parce que c'est le jeu et ça arrive de perdre et c'était quand même vachement marrant à faire. C'est pas grave en tout cas, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on retentera de chasser du coup le giganotosaure la prochaine fois. Mais en tout cas, je me suis quand même bien amusé, c'était quand même une bonne chasse et c'est quand même un bon moment de gameplay. J'espère que ça vous aura plu et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas sinon, tout le monde, de lâcher un méga pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos sur Ark Survival Evolve ou juste plus de vidéos en général. N'oubliez pas de me donner vos conseils en commentaire pour que je puisse le thème la prochaine fois. Et moi, je te trouve une prochaine vidéo. À plus tout le monde, c'était Rayton et ciao. Ciao.